Juste pour vous rappeler en quoi consiste le dispositif NQT, nous, au niveau de l'association, on enregistre les inscriptions des parrains et des marraines. Notre objectif, c'est de mettre en relation ces cadres dans les entreprises avec ces jeunes en recherche d'emploi. Comment se passent les attributions? Les jeunes et les parrains s'inscrivent sur notre site internet. Chaque jeune remplit des domaines de compétences dans lesquels il souhaite travailler. Et le parrain ou la marraine remplit des domaines de compétences dans lesquels il se sent à l'aise de coacher. C'est allé très vite parce que dès que j'ai mis mon profil avec le CV associé, je pense que quelques heures après, j'ai reçu une proposition de filiale. Et puis, dès le lendemain, ma filleule est rentrée en contact avec moi à travers un mail et on s'est vus physiquement quelques jours après. Avec Pascal, on s'est vraiment penché sur mon projet professionnel, comment faire pour bien réussir son entretien. Et je me souviens que Pascal s'est mis dans la peau de la personne qui allait me recevoir et il m'a posé des questions pour être sûr que tout se passerait bien le lendemain. Ces conseils pour moi sont très précieux. Je vais demander conseil à ma mère, à mes sœurs, mais c'est vrai que l'avis de Pascal, c'est un peu pas le dernier mot, mais c'est vrai que voilà, ça pèse beaucoup. Et on voit bien que toute cette phase-là est une phase sur laquelle les attentes sont les plus fortes parce qu'ils viennent chercher de la confiance. Pour moi, le parrainage, il fonctionnera que si on arrive à parler un peu de soi, d'aller sur des terrains où répondre à des questions plus compliquées. Ce n'est pas de la préparation pédagogique, scolaire. Je ne vais pas dire que ça s'apparente à du coaching, mais c'est un peu ça. Comme vous le savez, notre entreprise est une entreprise qui est ancrée sur ses territoires. Et dans cet ancrage, il est normal, il est de notre responsabilité que nous accompagnions tous les acteurs de l'emploi et notamment dans leurs actions en faveur de l'emploi des jeunes. Et ça, c'est source de performance et c'est source également de développement pour nos entreprises. Merci. C'est important pour notre entreprise d'avoir des salariés qui sont effectivement impliqués à titre personnel comme professionnel, dans la vie des territoires dans lesquels ils travaillent, en partenariat avec les acteurs locaux et les collectivités locales qui sont nos clients. Aujourd'hui, dans le cadre de ce partenariat avec Nos Quartiers ont des talents, ce sont 30 belles histoires au sein des activités Hauts-France de Suez, 30 parrains, marraines, qui encadrent des jeunes. Cette réunion aujourd'hui était une première réunion pour souder, pour permettre au réseau des salariés impliqués dans ces initiatives de se rencontrer. Et j'espère qu'elles donneront envie à beaucoup d'autres salariés de les rejoindre dans cette action que nous soutenons.